Bonjour, je suis Simone Mousset, chorégraphe, et je vous parle ce soir à partir de Londres pour vous inviter à mon spectacle Empire of a Fun Imaginary, qui jouera le 16 février aux Hivernales à Avignon. Dans mon travail, je parle beaucoup de mondes qui sont fantastiques et surréels et qui transportent le spectateur dans un univers d'imagination qui est vraiment très autre. Mais ces mondes sont toujours aussi défaits par l'incertitude. Ils sont immédiatement défaits par l'incertitude qui les traverse. Et c'est aussi le cas pour Empire of a Faun Imaginary, qui parle de quatre faunes, donc quatre êtres mystérieux, mi-humains, mi-dieux, qui se retrouvent isolés sur une clairière étrange et qui sont confrontés aux émotions de leur existence, aux émotions difficiles en fait liées à leurs conditions. La pièce est une pièce alchimique qui mélange disciplines, donc elle mélange danse, scénographie, mais aussi d'une manière très importante le travail vocal cette fois, et la création sonore pour créer un parfum, je dirais, qui est, j'aime bien ce mot étrange, magique, désolant, qui est mystérieux, aussi un peu dangereux, mais à la fin qui porte en lui une telle beauté et en même temps une telle horreur. Et ces deux pôles, je les vraiment ressens fondamentaux à comment j'expérience, moi, la condition humaine. Je dirais que la pièce est une célébration de cette condition, en fait une célébration de la complexité de l'expérience émotionnelle humaine. Et je me suis demandé est-ce qu'une fable, comme la fable des quatre faunes, pourrait être une sorte de potion magique? Et j'ai vraiment hâte, je suis vraiment très curieuse comment cette potion que j'ai créée, d'après moi, selon moi, agira sur un public. Donc je vous invite cordialement à venir voir la pièce le 16 février et voilà, à me rejoindre pour cette première avignonnaise. Merci.